Hey, salut tout le monde. Donc, on reprend la petite aventure qu'on fait avec le Maroc. Je rappelle qu'il faut qu'on trouve un moyen le plus rapide pour pouvoir éviter ce sit-in. Le problème, c'est que ce sit-in doit être résolu le plus rapidement possible. Sauf que je n'y arrive pas. Bon, tout est possible, évidemment. On pourrait... détruire cette organisation. Voilà, c'est pas une organisation criminelle, hein. Mais on pourrait démanteler. Pourquoi pas démanteler cette organisation? Que je vous rappelle, cette organisation, c'est celle, c'est dans les associations, c'est humanitaire. Oh putain, il n'y a pas beaucoup de... Putain, personne ne m'aime, hein. Pardon, Duro. C'est un test. C'est un test. Mais voilà, tu mets. Fallait s'y attendre. On va décréter l'état d'urgence. Oh putain. On a one to fly with you. Ça va être compliqué. Compliqué. Ça va être compliqué. Salut Emira Arabe Unie. Toi, tu t'en fous parce que toi aussi, t'es une dictature. Donc, tu t'en fous. Des insurgés ont... Poète. J'adore cette musique. J'adore, je me la repasse tout le temps. En plus, j'adore les paroles. Ça parle d'amour. J'adore. Nous avons maté... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films d'amour en plus. Pas énormément, mais... J'aime bien, quoi. La justice. Qu'est-ce qu'il veut ? La politique autoritaire du gouvernement. Pff. Mais non ! Mais non, c'est pas autoritaire. Écoutez... Je ne comprends pas en quoi... Qu'est-ce qui est autoritaire? Non, franchement, il n'y a rien d'autoritaire. On essaie de faire ce qui est le bon pour le peuple, évidemment. Nous avons maté... fin du soulèvement à Rabat, tant mieux. Oh putain. 37% juste parce que j'ai fait ça. Hein. Vous êtes en train de donner un... Ah. Ça peut être intéressant d'investir en Chine, du coup. La 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 la. Comme ça, on pourra avoir de meilleures relations. Ok, on est très très amis, très bien. Ouais, putain, mais sérieusement? Mais encore toi, mes salauds, putain! Eh, mais ça va m'énerver, ça. Hein. En plus, je vais prendre un rendez-vous, ils vont pas être contents. Oh non, mais sérieusement, ça, c'est chiant. Voici donc... Vous savez ce qu'on va faire? Très simple. Comme ce qu'on avait fait avant. Hop. Normalement, ça doit être un peu plus populaire. Dis-moi que oui. Allez. Ouais, ça va. Écoute. En fait, ça contrebalance l'effet de la grève. Ça va. La valorisation. Ça n'a rien. Là. T'es bon, tu vas devenir riche. Hein.
We two. Yes. Allez, s'il vous plaît, arrêtez votre grève. Ça suffit à un moment donné. Soyez des gens matures. Pensez que c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Le peuple a besoin de vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire baisser comme taxe qui ferait plaisir? J'ai déjà baissé la taxe sur les tranches moyennes. Franchement. Découverte scientifique. Très bien. Les seniors en danger. Très bien. Revalorisons leur pension. Ah oui, c'est que dalle leur pension. Ça pue la merde. On va augmenter un peu. Hein. On va baisser un peu. On va baisser un peu. Non, mais c'est une blague. On augmente les pensions. Vous allez être contents, les vieux. J'espère que vous allez me supporter. Non. En plus, c'est vous qui votez le plus. Trop aimable. Donc venez, aimez-moi. Yes. Allez, Li Jinping. Xi Jinping, mais bon, dans le jeu, il s'appelle Li Jinping. Putain. Il trouve des noms, parfois, GPS 4, ils sont... Eversim trouve des noms, c'est magnifique. Bon, au moins, on a une alliance militaire avec les Chinois. Comment ça, tu refuses maritime? Putain, j'ai fait accepter terrestre rapidement, trop bien. Tu peux avoir deux bases chez moi, c'est déjà pas mal. Je voudrais avoir au moins une base. Ouais, on va essayer les deux, non. Bon. Une petite base. Ouais, ça va, hein. Fais pas ton crâneur, Li Jinping. Ouais, voilà. Allez, une deuxième. Non. Bah tant pis. J'ai glitch. Tant pis. Ah, ça n'a rien évolué parce qu'en vrai, nos relations vont redevenir roses. Parce que regardez, il faut appuyer sur la carte stratégique. Et on voit que ça va redevenir rose. Rencontre internationale. Sans blague. Manif. Putain, mais il n'y a que des manifs. Hein. J'ai calmé un peu les policiers. Hein. Voilà. En fait, ça, c'est à cause de l'inflation. Hein. Si on a ce gros problème, c'est à cause de l'inflation. C'est un problème. C'est un vicieux problème. Et ça, ça demande du temps. Ça demande de la réflexion pour corriger ces problèmes. On est à 19% de popularité. C'est le taux le plus bas que j'ai pu avoir. On a quand même le taux de vieillesse qui va passer. Donc, on va voir un petit peu les retombées... sur ma popularité, je pense que ça va être positif, évidemment, mais on attend. Quel est l'âge de la retraite? 65 ans. C'est pas mal. En plus, on avait vu, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est que notre espérance de vie... Le système de santé du Maroc est moyen, parce que je n'ai pas mis tout à fond. Tout est moyen, mais vous voulez vivre très longtemps, plus que la France, qui a pas une meilleure, un meilleur système de santé. Et j'appuie bien là-dessus, c'est prouvé en plus par des statistiques. Vous renseignez, hein, mais... Mais c'est prouvé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est les îles Féroé. Plus que la Lituanie, plus que la Corée du Sud et le Japon. Vous voulez vivre 94 ans en moyenne? Venez au Maroc. Le Maroc, terre d'accueil. Terre incroyable où vous pourrez avoir une vue incroyable sur la mer Méditerranée ainsi que l'océan Atlantique, sur toute la façade de l'océan Atlantique. Vivre un séjour magnifique avec une culture forte et bien sûr, un développement économique, un développement
culturel, un développement sportif, un développement politique, spatial, très important. Très importante. Alors venez au Maroc, terre d'accueil. Venez au Maroc, terre. Terre incroyablement magnifique. Venez nous visiter et venez ici pour vivre. Ce message s'adresse surtout à tous les scientifiques et à tous ceux qui ont une très belle capacité intellectuelle pour pouvoir améliorer le pays. Lol. Bref. Très bien. Trêve de plaisanterie. Niveau démocratie. Je suis une très belle démocratie. Putain, ça n'a aucun sens. Non, le niveau de démocratie est toujours buggé. Ça c'est toujours buggé, ce truc. Pouette. L'inflation baisse. Let's die tonight. Le PIB par habitant augmente en plus. Bon, c'est bien. Le coefficient de Gini est très bas. Ah non, c'est l'indice d'égalité de salaire. Pardon, je me suis totalement trompé en lisant le graphique. Ah non, ça augmente. Dommage. Ministère de l'éducation. Bah qu'est-ce... Oh putain, la grève de la faim, ça m'a fait mal. We need to come back home. We need to come back home. On va créer des hôpitaux, c'est important. On va créer des centres sociaux. On va créer des maternités. On va créer des hôpitaux psychiatriques. Venez au Maroc. Ça n'a aucun sens. Aucun. Oh, bien joué. Bien joué, le Nigeria. Nos agents sur... La oui de point. Bah tant mieux, elle a qu'à mourir. Hein. Pff, fait chier avec sa grève aussi. Il y a des gens qui souffrent plus. Arrêtez. Revalorisation salariale. Putain. Mais j'en ai ras le cul. Mais vous me cassez les pieds. Tout ça à cause de l'inflation. Bon. Si j'arrive encore à vivre, tant mieux. Sinon, ouais, 16%, ça va être la mort. Hein. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Impossible. Ah, c'est chiant. Tout ça, c'est à cause de ça. On va faire un truc. On va profiter des bugs. Enfin, des bugs. C'est pas un bug, mais... On va profiter de ça pour... pour gagner un peu plus dans les taux d'inflation. Dans les taux de... Sur la monnaie, sur la... Oh là là, sur les taux directeurs menés par la Banque Centrale du Maroc. Je sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs. On va créer une organisation monétaire. Ouais, en plus, apprenez comment profiter du jeu. On va l'appeler blablabla. Blablabla. On s'en fout. On va la mettre à Casablanca de toute façon. Mandat du secrétaire. Un an, vas-y, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Vas-y, on va mettre la zone régionale. À la majorité mensuelle, on va l'appeler Maroc provisoire. Est-ce qu'on pourrait quitter cette organisation? Ah. Tant pis, hein, si ça marche pas. Comment ça, je peux pas créer?
Là, pourquoi ça marche pas? J'ai tout mis, ah bon? Ah, peut-être ça qu'il faut mettre plus, non? Bah pourquoi? Hi! Oh! C'est une blague, ça? Ah, d'accord! On va l'appeler le Mar! Ah, putain! J'ai honte! Oui, voilà. Maintenant, on est sur le Maroc provisoire. Très bien. On va augmenter les taux d'intérêt. C'est avec... Oui, non, 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 non. J'ai pas sauvegardé, donc en soi, je m'en fous. Prochain sommet du bluff. Putain, c'est pas possible. Ça devient même pas réaliste. Mais en vrai, pourquoi c'est limité à 20%? Je comprends pas ça. Hein. Ouais, 4%. Ouais, c'est bon, on a perdu. Ah, ça a pas changé mon déficit. Ok, tant mieux. 23%, tant mieux. Notre réseau. Bon, c'est quand qui passe la loi des vieux, là? Poète, 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 poète. Poète, 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 poète. Problème ministre personnel. À la dérive. Ah, c'est un problème. Eh bien, écoutez, enfermez-le. Le vote a eu lieu. Quoi, que... Les patrons défient actuellement. Mais quoi? Mais tout est bien, là, dans ma politique. Ah! Ah oui, mais c'est... Notre cellule. What? Attendez. Attendez. Donc la Chine, elle est à combien? Putain. Ah non, mais c'est... Mais non. Putain, mais non. Mais non. Mais non. Putain. Non. C'est con, ce jeu. C'est con. Ah, purée. Putain. Lalalala. Là. Attendez, on va juste voir un truc. Putain, j'ai un petit... J'ai quand même un bon IDH, mais... Pff, baisse du chômage. Tant mieux. Tant mieux. Oh là là. Ce jeu n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, je vais faire un excellent trimestriel alors que... Je suis en dette. Ça n'a aucun sens. En plus, ma monnaie, elle est tellement dégueulasse. Non, mais... J'espère qu'on peut quitter. L'Algérie a rejoint notre zone monétaire. Mais non, pourquoi j'ai dit oui? Mais non, oh putain. Ça n'a pas logique. C'est pas possible. Mais non. Oh putain. Bon, écoutez, on va se retrouver la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, à la prochaine.